Adeline Onfray, je m'occupe des relations presse de la marque Batchy Lingerie, qui est une marque assez nouvelle dans l'univers de la lingerie, qui est une marque à la base américaine, ça nous vient de Miami. Et elle vient de s'implanter en France, donc pour l'instant on la trouve en grande partie sur internet, sur un site qui s'appelle batchyboutique.fr, mais qui va se développer dans plusieurs points de vente et des boutiques Batchy d'ici l'année 2012, d'ici la fin de l'année 2012. Donc c'est une lingerie très séduction, assez sexy et à petit prix. Pour que toutes les femmes puissent séduire et se sentir belles. Vous avez tapé fort en communication, vous avez... Oui, en fait, pour, je pense, mieux présenter de la lingerie, l'idéal, c'est quand même de la voir en situation et portée. Donc, au lieu de faire beaucoup de grands discours et d'essayer de décrire les matières ou autres, on a trouvé que la meilleure idée, c'était quand même de faire des belles photos et des belles vidéos pour la montrer en situation. On pense que c'est ce qui parle le mieux. C'est plutôt une clientèle assez jeune, vu l'orientation un peu sexy que vous avez choisie. Oui, mais là on s'adresse surtout à des femmes de 25-35 ans parce que c'est vrai que c'est une lingerie assez sexy, donc c'est plutôt pour des femmes plus que pour des jeunes femmes. Donc de très petite taille à très grande taille, et notamment en termes de bonnet. Donc si, on fait jusqu'à du E et du F même. Il y en a pour tout le monde. Il y a aussi pas mal de modèles réglables. Donc c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, des prises de poids ou des régimes, ça s'adapte. Ah, vous faites une collection par an ou c'est assez constant? Alors ça marche pas tout à fait pareil que la plupart des marques de lingerie, et on sort des collections, des thématiques en fonction des moments phares. Par exemple, on en lance deux pour la Saint-Valentin, on va en lancer au mois de septembre, et on va aussi au fur et à mesure faire rentrer des chaussures et des petits costumes, de l'habillement. Exclusivement féminin. Vous envisagez de diversifier, de faire des produits autour de la lingerie ? Autour de la lingerie, de l'accessoire, mais toujours féminin, avec peut-être plus de petits loups, de masques, de cols, de manchettes, des accessoires pour être très sexy. Mais on va pas se lancer dans le homeware. Cette année, il y a une tendance particulière qui se détache. Pour le salon est très tourné à gaine et pin-up. Nous, on n'est pas du tout là-dedans. Nous, c'est vraiment